Maman, à chaque fois que je ne comprends pas quelque chose, elle se moque de moi. Votre comportement n'est pas digne d'une enseignante. Je gagne combien de sous, tu es en train de m'emmerder là. Anna, on t'écoute. Le mariage de Tchelédio. Il était une fois un grand chasseur nommé Sana. Généreux, il était aimé de tous. Bon, Loya, on continue avec toi. Le mariage de Tchétché. Attends, aujourd'hui là, je vais filmer ça là. Et puis je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, nous tous on va rire. Voilà ça. Si, c'est qui dit? Yedi, Noya, c'est bon. Mais tu es nul, tu ne connais rien, tu fous rien. Moquez-vous d'elle! Vous ne savez pas, vous voulez faire le concours de poésie. Regarde comment ils sentent là-bas. On n'a pas fait ce qu'elle veut, je suis fatiguée même. Qu'est-ce que tu as? Mais dis-moi pourquoi tu pleures? J'ai déjà dû m'appeler à ces hommes en fait chez moi parce que je ne sais pas aller. Calme-toi. Calme-toi, ne pleure pas. Et qu'est-ce que ta maîtresse a dit? Maman, à chaque fois que je ne comprends pas quelque chose, elle se moque de moi. Elle se moquait de toi aussi. Où est ton sac? Elle est à l'école. Allons, on va chercher. Les enfants, rangez vos affaires. Hein? Vous allez à la maison et puis on est à demain. Ok? Mon Alléluia, bonne arrivée. J'allais justement au bureau déposer le sac de votre fille. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Je lui ai donné l'autorisation de partir à la maison. Arrêtez votre hypocrisie là. Comment vous pouvez autoriser des enfants à se moquer d'une élève de leur classe? Les enfants viennent ici pour apprendre, vous vous moquez d'eux. Est-ce que c'est normal ce que vous faites là? Nos enfants là, quand on les envoie ici là, c'est pour apprendre avec vous. C'est pour apprendre avec nous. Donc là, ayez du respect pour eux. Aïe! Toi, tu quittes chez toi à la maison et puis carrément, tu viens m'insulter mais sur mon lieu de travail. Parce que vous êtes une mauvaise enseignante. Mauvaise enseignante. Votre comportement n'est pas digne d'une enseignante. Mais attends, votre fille là, elle ne connaît rien, elle ne vaut rien, elle ne fait pas d'efforts. Et puis elle est lente pour mettre dessus. On va la descendre au CPE, c'est mauvais. Votre travail là, c'est de les motiver, les encourager à aller de l'avant. Ah, parce que à l'école, c'est votre travail de lui apprendre c'est ça. C'est pas une histoire c'est de c'est mon travail. On vous paye pour ça. On me paye pour quoi? Pour enseigner 1 million de personnes, c'est pas ce qui a été dit. Hein? Vous ne voulez pas qu'on frappe les enfants. Vous ne voulez pas qu'on parle sur eux. Les enfants n'ont que des droits, ils n'ont pas de devoirs. Vous voulez qu'on fasse comment? Les enfants sont en phase d'apprentissage et vous ne les motivez même pas. Je gagne combien même si tu es en train de m'emmerder là? Vous êtes payé pour ça. Peu importe. Vous devez les motiver. Quand vous aviez leur âge là, vous n'étiez pas plus intelligent qu'eux. Oui, justement. Allons là-bas. Aïe. Pourquoi tu pleures? Donc maman, je ne pourrai pas participer au concours de poésie, non? Ne dis pas ça. Ne dis jamais que tu ne pourras pas participer. Tu m'as entendu? Tu es une fille courageuse, non? Maman. Tu es intelligente, non? Maman. Ok, allons-y. Les enfants ne restent pas à côté du feu. Si. Tu sais pas que ça, là, c'est gaz, ça brûle. Kake. P. Mais. Tché. Tu dis quoi même? Tché. Voler. Un foutu. Attends. C'est un vieux. La mariage de Tché. C'est l'or et puis E. Non, ça fait le. Le mariage de Tchelédio. Répète.
mon beau Katam. Le voilà, mon beau Katam. Je l'appelle Bouffetout. Quand il est là, il avale tout. Des livres, des crayons, tout. Le voilà, mon beau Katam. On applaudit. Bravo. Bravo. Va t'asseoir. Ok, Anna, tu viens sur scène, on va t'écouter. Le sourire d'un enfant. Connaissez-vous un tableau plus émouvant que le visage souriant d'un enfant? Dans un sourire d'enfant, tu comprendras que tu as besoin de lui, qu'il a besoin de toi. Bravo. Maman, j'ai peur. Moi, j'ai confiance en toi. C'est le plus important. Ah, elle est là. La dernière candidate va passer. Noya, tu te caches ou quoi? Passe ici, viens. On va rire aujourd'hui, oh. On t'écoute. Chers petits amis du monde entier, les heureux font partie de l'apprentissage. Donc, ne laissez personne vous décourager, car nous sommes très importants pour le développement de notre pays. Chers parents, et chers enseignants, aidez-nous à progresser, s'il vous plaît. Transmettez-nous votre savoir comme on vous l'a transmis. Pitié, ne nous exposez pas en publiant des vidéos de nous sur les réseaux sociaux. À Madame la ministre, ma maman d'amour, Maria tout connaît. Maman, comme monsieur et puis madame, viens vous voir là. Maman, pardon. Faut les écouter. Faut écouter tout ce qu'ils vont te dire. Bisous, maman. Bisous, je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur.